بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حديث كرابوتي أبو هريرة رضي الله عنه لبروفيت صلى الله عليه وسلم بموطنو عندما حديث كي فنو كومبران لإمبورتان صلاة صلاة لي تريز إمبورتان اي بلوزيو فيسي قرآن فين منسيون لإمبورتان صلاة بلوزيو حديث صلاة لي ان بيليي دو الإسلام صلاة سيلو كي با في لي فيديه كي لي با كونسيديري ميم كوم مسلمان مي ان دو بان حديث كي تريز إمبورتان لو بروفيت صلى الله عليه وسلم جانو بامي بان اكسيون إن أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته. Première action. Le jour du Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala pour juger nous par catégorie de bonne action. Nous avons haqqullah, Allah subhanahu haqq, Allah subhanahu droit. Alors nous avons droit d'imun. Et nous avons plusieurs catégories de bonne action qui nous faisons rendre compte. Concernant nos bonnes amal, concernant nos bonnes pratiques, tout bon ibadat, salat, zakat, hajj, tout bon ibadat qui nous fait, premier là-dedans, qui est question qui nous peut être posée concernant salat. Fa'in salahat, si ou salat, ou ne passer là-dedans, aflaha wa anjah, ou comme on parle alayhi salat wa salam, ou fin faire succès. Par la suite, toute chose vient facile. Si ou fin passe dans première question salat, alors donc tout bon les risques questions, les vient facile. Mais seulement si ou fin ou pas fin réussi ou pas fin faire ce qu'Allah fin djaw. Allah fin djaw fait 5 fois salat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin djaw 5 salawat fil yawm wal layla. 5 salat matin et soir. Alors c'est lui qui pas fin faire 5 salat matin et soir qui arrive khaba wa khasir. Li fin faire veut dire li fin faire faillite, li fin faire défaite. Alors donc beaucoup de monde pas donne l'importance salat, peut-être pas qu'une conséquence. Conséquence salat, l'eau la terre, dans nos qabar et aussi dans l'akhirat. Beaucoup de monde pensent que ça c'est une question optionnelle. Oui, il y a un meilleur. Du monde croit que oui, il y a un meilleur musulman s'il fait salat, mais s'il ne pas fait salat, ok, Allah ghafour rahim. Ça c'est Shaitan qui embête nous. Allah ghafour rahim pour du monde qui ne fait des efforts. Allah ghafour rahim pour ben djimoun qui est sincère. Allah ghafour rahim pour ben djimoun qui est innocent, qui est une victime. Mais un coupable. Il s'y connaît 5 fois salat obligatoire. Et l'imam il rappelle lui. Il fait lui comprendre. Il n'y a pas de faire salat. Il s'y a tous les temps pour faire salat. Tout qui chose, il trouve les temps excepté salat. Il s'y a l'énergie pour faire tout qui chose, bon et mauvais. Mais seulement salat, il s'y a plan, il met tâche de Allah, Allah ghafour rahim. Est-ce qu'on croit qu'il s'agit de l'alipo faire succès? Est-ce qu'on croit qu'il s'agit de l'alipo réussir d'akhirat? Jamais. Alors donc, la majorité musulmane, je ne pense qu'on comprend que salat n'est pas une option ça. Salat n'est pas une option. D'une façon de parler, même si vous pouvez faire péché, même si ou un djimon qui fait beaucoup péché, ou un djimon qui joue, ou un djimon qui est dans l'intérêt, ou un djimon qui est dans la drogue, peu importe qui vous êtes, d'une façon de parler, besoin de salat dans où? Bizena salat d'eau. Peut-être sa salat là capable vient une occasion pour Allah pardonner nous pour ban les autres péchés. Mais pas venir devant Allah sans salat. Pas venir devant Allah sans salat, ça est très important. Malheureusement, beaucoup la case musulman peine à salat. Beaucoup la case musulman peine à salat. Salat est un pilier important ça. Nous avons 5 piliers dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bouni l'islam. Islam fin bâtir. Ça veut dire quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire bâtir, construction. Alors, nous avons l'hygiène, nous pouvons trouver là. Nous avons un pilier. Nous avons un pilier, veut dire quatre côtés, ça, masjid là. Nous avons un pilier aussi au milieu. Et nous avons un pilier dans un bâtiment qui est central. Si vous y allez, le bâtiment là, il est cédé. Ça, c'est par rapport à Kalima la ilaha illallah. Ça, c'est un pilier central. Comme on dit, un bâtiment et un pilier au milieu, il est gros. Si vous tirez, le bâtiment là tombé.
Si vous disiez Kalima la ilaha illallah dans ce bâtiment-là, le bâtiment de l'islam, l'islam tombé. Peine à l'islam sans pilier la ilaha illallah. Mais seulement, il y a un pilier qui vient support pour sa pilier central. Et sa pilier, c'est sa quatre piliers. Et surtout, salat. Si vous ne pas mettre salat dans la vie, ou pilier central, les vulnérables. Parce qu'avec les temps, n'importe quel bâtiment, avec les temps, il y a un cyclone, il y a un petit secousse sismique qui ou pas connaît, qui ou pas ressenti. Avec les temps, vous pouvez trouver une fracture. Un seul coup, vous trouvez le bâtiment là cédé malgré qu'il tienne un pilier central. Qui fait? Il est affaibli. Alors, ingénieur, lui, qui fait? Il met un pilier secondaire pour venir support pour sa pilier central. Ça même comparaison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient faire. Le pilier central, c'est la ilaha illallah. Et salat, il y a un pilier support qui est important pour les supports de kalima la ilaha illallah. Si vous tirez salat, tôt ou tard, il y a un risque qui vous sorti en dehors de l'islam. Beaucoup de monde, autre chose, n'y renonce à l'islam. Là, il fait que mot. Il contient une sortie d'islam. Il contient une quitte d'islam. Là, c'est pour la dorus. Combien de temps ils vivent comme ça? Quelques mois. Peut-être que vous connaissez une nouvelle. Ils trouvent l'islam pas bon. Tant mieux. Pour nous, tant mieux. Nous n'avons aucune sympathie pour les gens qui quittent l'islam. Parce que nous devons comprendre, un gens qui quitte l'islam se porte dans le paradis de distribuer. L'homme des gens qui parlent de Jannet. Ce choix, ça. Ils n'ont envie de quitter l'islam. Alors, ils quittent l'islam, ils pensent pour jouir à la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Man kana yuridu l'ajila, ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. C'est lui qui n'a pas envie d'akhirat, il a envie de dunya. Pas veut dire qu'il est pour gagner dunya. Faudrait Allah décider. Lui, il quitte Allah, il délaisse l'islam pour lui gagner dunya. Il pense jouir à la dunya, il est beau. Quand il était là, dans Jahannam wa bi'sa al-masir. Dans l'enfer, il est mort au kufr et dans l'enfer. Mais ça, dit mon là, si nous pouvons vérifier ce passé, pas tient à solat. Pas tient à solat, parce que si un démon est à solat, il n'est pas pour aller dans ça l'extrême. Parce que solat, il y a un gardien pour nous ça. Inna solat, tenha anil fahshab wal munkar. Solat, il fait à nous résister le mal et ben quitte chose honteuse. Alors donc, nous, en tant que musulmans, ou capables n'importe quelle qualité voyou, pas quitte solat. Pas quitte solat. Solat là, doucement, doucement, il faut faire l'effet, l'auban désobéissance, l'auban manquement. Parce que c'est Allah, au Créateur, qui finit ça. Inna salat, tenha anil fahshai wal munkar. Nous faisons dua que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous faire salat. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyati. Ou Allah, fais-moi, vin parmi man qui applique salat, ainsi que mon famille, nous y pareil, et nos familles. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.